Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. J'espère que vous allez tous très très bien. Et voilà, on va parler de ce nouveau dossier. Il a quand même un petit peu fait parler de lui, hein. On a Maître Gims qui était aux côtés de Bill Gates et puis il commençait à lui parler tout gentiment. Mais je comprends pas. Maître Gims, tu vas pas nous dire que tu n'as pas vu toutes les horreurs dans lesquelles Bill Gates est impliqué? Tu vas nous dire que tu n'as pas vu? Tu vas nous dire que tes lunettes, c'est parce que tu ne vois rien? Non, tu peux pas nous dire ça à nous! Bill Gates, dès qu'il entre dans un pays, tout le monde commence à trembler et se dit « Bon, alors, qu'est-ce qu'il va tester là? Qu'est-ce qu'il va nous mettre dans les fesses encore ?» Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? Bill Gates est suspecté dans des affaires horribles. Mais là, on voit que Maître Gims a choisi son camp. Il veut faire partie de ces riches milliardaires qui, quand ça va péter, vont aller se cacher sur la Lune. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? Ça veut dire que là, Maître Gims, il veut sa place dans la fusée. Hein? Il veut entrer dans le bunker. Comme ça, quand tout pète, lui, il est là, il va être dans le bunker, il va pouvoir faire ses chansons. Oh, bella, à la bazagala, à la bella. Non, Maître Gims, mais non! Mais non! Le peuple a peur de Bill Gates. Et toi, tu vas t'asseoir à côté de Bill Gates, et puis tu lui dis, voilà, on a discuté, on a pris un bon petit café, voilà, merci. Comment ça, merci? Attention! Non! Qu'est-ce que t'es parti lui offrir? Hein? Dis-nous ce que tu es parti lui offrir et qu'est-ce que tu lui as dit. Parce qu'on sait que tu ne lui as pas parlé du beau temps et du développement de ton pays. Non, tu ne lui as pas parlé de ça. Parce que lui, il n'est pas là pour développer. Il est là pour détruire. Tu n'entends pas son discours? Ouais, on est trop sur la planète, il faut diminuer. Et toi, qu'est-ce que tu es parti dire? Que tu as écrit un chant? Ouais, diminuer, diminuer, diminuer la planète. C'est ça que tu es en train de nous dire? Hein? Non, alors là, Maître Gims, il va falloir que tu remettes l'église au centre du village, hein. Ah non, 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 là on n'est pas d'accord du tout. Mais attends, chanteur, artiste, congolais, tu vas voir les milliardaires qui ont mis de l'oseille dans toutes les horreurs qu'on voit dans le monde entier, et puis tu l'as... Merci. Ah non, franchement, là, je suis un petit peu déçu. Mais bon, après, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. Voilà, donc peut-être que aussi... Tu as vraiment essayé de lui dire d'arrêter de faire des bêtises. On ne sait pas aussi ce que tu lui as dit. Peut-être que tu lui as dit, hé oh, là, tes tests là, c'est fini en Afrique. Peut-être que tu lui as dit ça, hein? On ne sait pas, hein? En tout cas, moi, je préfère penser que c'est ce que tu lui as dit, que tu l'as menacé, tu lui as dit, hé oh, tes trucs Windows là, ok? Mais tes trucs de médecine là, doucement! Et puis surtout, tu fais pas ça chez nous. Peut-être que c'est ce que tu lui as dit, hein? Après, quand on a vu ton langage corporel, t'étais pas vraiment en train de voilà, quoi. T'étais plutôt en train de dire, oh mon Dieu, Bill Gates, franchement, depuis que je suis tout petit, je vous connais. Oh là là, belle, là. C'est le belle, là. On sait pas. En tout cas, Maître Gims, voilà, donc, était à côté de Bill Gates. Et puis, il était content de poster sa photo en sachant ou ne sachant pas que le peuple pensait un peu du mal de Bill Gates et en avait surtout un petit peu peur. Ah oui, bah oui. Tu t'assois à côté de Bill Gates, ça se trouve, il t'a mis un truc dans les fesses, t'es même pas au courant. Et puis maintenant, il entend tout ce que tu fais, il sait tout ce que tu dis, voilà. Et puis maintenant, il va te vendre des trucs.